conférence client exige l'implication des avocats de tous les niveaux au sein du cabinet. Pour un jeune avocat comme moi, ça peut s'expliquer en deux volets. On est impliqué dans la recherche, on est impliqué dans les rencontres pour faire le suivi, pour l'élaboration, et il y a aussi en aval, c'est-à-dire lors de la journée de la conférence où on assiste et on voit le résultat de ce qui a été élaboré. Essentiellement, donc, dans le cadre de ma conférence, il y avait trois thèmes. Dans un premier temps, je discutais des amendements législatifs qui étaient survenus au cours de la dernière année. Sommairement, on discutait entre autres de projets de loi qui ont été déposés au niveau fédéral sur, entre autres, certaines obligations au niveau fiscal que les organisations syndicales auraient, au niveau de la divulgation de renseignements. Également sur la possibilité donc d'imposer la tenue d'un vote secret lorsqu'il y a le dépôt d'une demande d'accréditation. Et évidemment, ça va de soi, on a discuté des amendements envisagés à la Charte de la langue française au Québec, dans tout le contexte actuel. 78,7 % des parents vivant seuls avec au moins un enfant mineur sont actifs. Donc, plus de 3 sur 4, donc, qui sont justement monoparentales, vont travailler. Le deuxième thème donc, que je parlais était tout le volet conciliation travail-famille, à savoir, évidemment, avec toute la société d'aujourd'hui, le volet donc, monoparental des familles, évidemment, reconstituées. Quelles étaient les obligations des organisations à cet égard? Est-ce qu'on doit accommoder quelqu'un lorsque, par exemple, il doit aller chercher son enfant? Est-ce qu'on doit aménager son horaire de travail en conséquence ou non? Et finalement, dans un troisième thème qui était tout le volet des clauses restrictives. Quand je parle de clauses restrictives, je parle de clauses de non-concurrence et de non sollicitation. Il y a eu un arrêt de la Cour suprême qui a été rendu en septembre dernier qui est excessivement important. La Cour suprême nous a dit dans un premier temps que lorsqu'une clause de non-concurrence ou de non-sollicitation intervient, mais dans le cadre d'un contexte commercial, donc à ce moment-là, les clauses prévues en droit de travail ne s'appliqueraient pas. Ça serait essentiellement la loi de la jungle donc, qui s'appliquerait. Et il y avait tout le volet aussi à savoir dans un contexte justement d'emploi. Est-ce que ça prend un territoire donc bien défini dans une clause de non-sollicitation? Et la Cour suprême a évidemment donc répondu à cette question en nous donnant justement des directives bien claires. Donc, un sujet à connaître clairement par tout gestionnaire, non seulement en ressources humaines, mais au niveau opérationnel là, dans les organisations. Alors aujourd'hui, au cours de la conférence annuelle 2013, j'ai eu l'opportunité de parler de trois sujets palpitants. D'abord, l'arrêt Asphalte Desjardins ou le droit d'un employeur de renoncer à un préavis de démission. The change is that an employee who is bound by an indeterminate term contract who advises his employer that he will be leaving his employment, thus resigning. The employer has the choice to have the person stay on and be paid, or in certain circumstances, the employer may choose to ask the employee to leave immediately, thus relieving the employer from his obligations to pay the employee for the balance of the notice period. Ensuite, on a parlé des impacts des modifications apportées au DSM-5 sur la vie quotidienne de nos clients et plus spécifiquement sur l'impact de l'ajout de nouveaux diagnostics médicaux qui risquent fort de changer un peu la donne en matière d'absentéisme. It is a new document which will be important for practitioners and for people in the milieu, and it does have great legal implications. We've reviewed those. Finalement, j'ai eu l'opportunité de parler de la juridiction des arbitres de grief en matière de détermination de la capacité d'un salarié à exercer un emploi, le tout en parallèle avec la démarche qui est entreprise par la CSST. Vis-à-vis the jurisdiction of the arbitrators, who sometimes are also called upon to decide if an employee may have rights under the collective agreement to reinstate certain positions after having suffered a work accident. So again, I think three very interesting subjects, and hopefully the conference was useful for the future for them. Thank you. C'est toujours très valorisant de pouvoir offrir ce type de présentation devant un aussi grand nombre de clients. Alors, merci à tous ceux qui sont venus assister à notre conférence. Bonjour, je suis Robert Dupont, associé au bureau Inubleki. Aujourd'hui, j'ai traité deux sujets. Le premier portait sur l'identité de genre, les problématiques qui peuvent s'associer à ça et à savoir si ce type de problématique constitue de la discrimination en vertu de la Charte des droits au Québec. First of all, I discussed recent legislative amendments that relate to human rights. I also discussed recent cases concerning discrimination on the basis of sex.
c'est une situation qui peut se voir de plus en plus. Nous, cette année, on a eu 2 clients qui nous ont sollicité là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui, que l'on va voir de plus en plus au cours des prochaines années et ça pose des problèmes quand même assez difficiles qui justifiaient certainement d'en parler. L'employeur, ultimement, doit accommoder celui qui a ce trouble d'identité de genre. L'autre sujet qu'on a abordé, c'est la décision Irving de la Cour suprême, qui est la première décision à notre connaissance qui traite de la question de savoir si oui ou non on peut avoir des tests de dépistage d'alcool en milieu de travail dangereux. It concerns the right of an employer to proceed with random testing for drugs and alcohol. It's the first time that the Supreme Court of Canada renders a decision on the subject of random testing in the workplace. La décision présente des éléments intéressants, mais laisse certaines questions en suspens. Et c'est souvent comme ça à la Cour suprême. Donc, c'était les 2 sujets que l'on voulait aborder avec nos clients aujourd'hui, compte tenu que ce sont effectivement des sujets d'actualité.